Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Crézip, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de notre série Le Z. Attends vos choix, et directement je commence par vous montrer ce que j'ai réussi à vendre en deux relances. Alors vous voyez que là par exemple Matuidi, Gwen, ils ont pas de... enfin c'est noté qu'il n'y a pas de contrat, mais rassurez-vous je les ai achetés avec des contrats quand même. Donc écoutez, voilà un petit peu ce que j'ai réussi à vendre. Donc Matuidi ça marche toujours, les défenseurs centraux français comme Varane, Sakho, Koscielny, Mangala, Kaboul, ça part très bien. Sirigu pareil, hein, Sirigu là il a pas de contrat, il est de base mais je les ai achetés avec chat ou avec gants, ça part toujours autant. Matuidi encore une fois que j'ai réussi à revendre. Les BU, alors genre Benteke, Rémi, Pato, qui c'est qu'il y a d'autres, Ibarbo avec œil de lynx ou finisseur, ça part très bien. Et puis encore une fois, bah, je le rappelle, les gardiens avec gants et chat, ça part aussi. Donc voilà, écoutez, on va maintenant partir pour le premier match et on se retrouve dès que j'ai mon premier adversaire. Allez, à tout de suite. Allez, on a notre premier adversaire pour cet épisode, alors on espère une victoire, bien entendu. Pour le moment, on est sur 3 matchs, 3 victoires dans cette division 5, et on tombe contre une équipe de Serie A, je pense, 83 de général. Oh là là, il y a du tots devant. Ouais, je suis en train de regarder, ouais, c'est encore avec 4 défenseurs, le défenseur gauche que je ne connais pas, sinon ouais, c'est du très très lourd, hein. C'est du très très lourd, en fait c'est même une équipe de Serie A uniquement composée de joueurs italiens, alors on sait très bien qu'il y a beaucoup de joueurs italiens en Serie A, donc voilà, belle équipe en 4-3-3, écoutez, on va se retrouver pour les meilleures actions du match, et allons chercher cette première victoire dans cet épisode, allez, on l'a vu partir. Par au-dessus, c'est bien, allez Ramirez, la première frappe, dommage, l'arrêt de son gardien. Allez Mathieu, demande-la. Il l'a demandé Mathieu. Allez Mathieu, la frappe du droit, il résiste. Voilà, ça c'est du Marseillais. Ça c'est ce qu'on veut. Allez, fais-nous la danse du boule. Eh bah oui Mathieu. Eh bah oui Mathieu, 13ème minute. Le 13, les Bouches du Rhône. Tu restes à l'OM l'année prochaine. On ne sait pas encore. Alors je vous parle. Peut-être que vous le saurez au moment où vous verrez cette vidéo. Mais pour moi, il est toujours à l'OM. Allez, 1-0. On est bien parti dans ce match. Faire attention parce que devant, il est chaud patate. Hein. Oh la relance les gars, la relance. Non, j'ai pas envie de me prendre un but là-dessus. Oh là là, il touche le poteau. Et Zlatan, la frappe directe du gauche. Oui, 2-0. Oh là là, il fallait marquer. Il fallait marquer parce que mon adversaire a poussé. Je sais pas ce que je vous aurais montré. Il a frappé sur le poteau. Il y a eu une mauvaise relance de mon gardien qui a failli mener à un but de sa part. Mais c'est bien, 2-0 franchement. Ça va un peu mieux, même si c'est pas fini. Bon, bah écoutez, mi-temps. C'est dur, dur. C'est dur, dur. On va rien cacher. Au niveau des stats, ça doit être équilibré, je pense. Bah, j'en ai un peu plus que lui, mais ouais. Moi, je peux vous le dire, ça reste un match équilibré. Bien dur, dur. Allez, deuxième période. Allez, dans le dos de la défense. Pour Chourleux. Donne-la en retrait. Allez, Valbuena. Allez, le doublé! Le doublé de Valbuena, la célébration du débile! Oula, il s'est pris le poteau. Ah, il a pris. Oh, il a été chercher le ballon en même temps. Ah, il a pris de l'élan, il s'est foutu la gueule dans le poteau, le con. Allez, c'est bien, Valbuena. Je t'en demandais pas tant. Si tu me pètes les deux buts et que Zlatan n'en met pas, c'est pas grave. Tant que je gagne, ça me va. Allez, 3-0. Oh Zlatan, t'es trop bon, arrête, excuse-toi, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit, je t'interdis. Oh là là, ce festival. Ah ouais Zlatan, ouais, pardon. Franchement, il a fait très mal, là. Il a fait très mal. Oh là 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 là, et puis derrière la finition, c'est parfait, c'est du Zlatan, 4-0. Aïe 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 aïe, au centre, c'est la barre, allez. Oh bien joué. Ah bah voilà, lui aussi il touche la barre. Et bien voilà, fin du match. Alors c'est sévère, franchement c'est assez sévère hein, le score final. Parce que mon adversaire a touché je crois une fois la barre, une fois le poteau. Il a fait pas mal de frappes, mon gardien qui a fait pas mal d'arrêts. Ouais, au niveau des stats je suis un petit peu devant. Mais voilà, franchement c'est sévère, 4-0. Je vais pas me plaindre, mon Petr Sek qui a fait 8 arrêts quand même. Son gardien qui en a fait 7. Bon bah écoutez, ça reste toujours la première victoire de cet épisode. Donc bah écoutez, on commence bien. On est déjà maintenu. Plus que 7 points pour le titre. On pourra peut-être monter déjà dans cet épisode. Et puis après,
il faudra aller chercher le titre dans le prochain épisode. On n'en est pas encore là, on va directement enchaîner avec le deuxième match de cet épisode. Allez, à tout de suite. Allez, deuxième match, on est parti, on va jouer ce match à domicile au stade Vélodrome. Et mon adversaire nous propose une équipe à 80 de général, centre collectif, aucune indication, ça sera une BPL en 3-5-2. Ouais, alors devant, c'est du rapide, hein, du Sturridge et du Rémi. Mon cher ami Ben Arfa à droite, Schürrle à gauche, De Bruyne, Ramirez, Tioté, David Luiz, Kyle, Tchirches, je sais jamais prononcer son nom, encore une fois désolé. Et puis Lloris au but. Belle équipe en 3-5-2, ça va être dur à gérer nous derrière. Peut-être un peu plus d'espace devant. Allez, meilleur moment de ce match. Allez, c'est bien, on l'a vu partir, Lucas, ça va être un peu fort je pense. Non, c'est bien Lucas, il la récupère, allez le centre. Allez Valbuena de la tête, pourquoi pas. Allez Zlatan qui vient se battre. On récupère le ballon, oh c'est moche. Ça aurait été moche, mais malheureusement on tombe le poteau. On tape le poteau, pardon. Et derrière, c'est Lucas. Je crois que c'est Lucas. C'est ça, c'est Lucas qui vient la mettre au fond. Célébration du débile, célébration à la Drogba. Et puis, on va faire la truite. Mince. Désolé, j'ai pas fait exprès. Cette célébration provocante. Bah, comment on fait la truite? Je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu avec tout ça. Mais en tout cas, ça fait 1-0. Lucas qui était bien resté à l'affût. 1-0. On est bien lancé dans ce match. Mon adversaire n'a quasiment pas touché le ballon. Allez, un petit corner, Valbuena. Tu nous le tires bien. Il n'est pas trop mal tiré, par contre, j'ai absolument rien pu faire. Matuidi, le pied gauche. Et ça fait 2-0. Matuidi, pied gauche. C'est au fond, fais-nous la petite glissade. Et ben voilà, Matuidi, 20e minute. 2-0. C'est bien. Franchement, c'est bien. Il a eu une petite occasion. Rien de bien sérieux. Et au final, c'est Matuidi qui vient enfoncer le clou. 2-0. Allez, on se prend pas de but dans cet épisode. Allez, Mathieu. Et Mathieu, il est bien, il est sorti avec son gardien. Et oui, bah ouais, mais t'es sorti avec ton gardien, mon petit. Je m'excuse, mais t'es sorti avec ton gardien. Il faut pas, surtout quand la balle, elle est bien déposée au point de pénalty. Et puis en plus, c'est David Luiz qui la récupère. David Luiz, de la tête, il dépasse tout le monde. Regardez avec sa touffe. Regardez-moi ça. Ah, il a au moins une bonne dizaine de centimètres en plus que les autres. Allez, c'est bien, 3-0. Allez Zlatan, cours. Cette fois, si tu me la croises bien. Et voilà Zlatan. Zlatan, je sais pas en fait ce que tu peux nous faire. Fais, hop là, le petit salto avant. Bien joué, 41e minute. Zlatan qui marque son petit but. C'est bien. J'aime Zlatan, j'aime quand tu marques comme ça. Et bien voilà, écoutez, mi-temps, 4-0. Tout se passe bien. Mon adversaire qui a eu, je crois, une ou deux occasions. On est bien pour le moment, 4-0, mi-temps, mon adversaire qui ne veut pas passer, si ça y est. Alors, on va voir ça au niveau des stats. Au niveau des stats, ouais, il a eu deux petites occasions, mais voilà, rien de bien sérieux. Allez, on enchaîne, on perd pas de temps, la deuxième période. Allez, Valbuena, il y a la tête de David Luiz s'il faut. Allez, David! Oh là 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 là, il est trop fort, David Luiz. Tu suces ton pouce, et puis, je sais pas, moi, qu'est-ce que tu peux faire? Allez, marche à quatre pattes, c'est bien. Et ben voilà, 56ème, David Luiz qui nous pète son doublé, tout va bien, tranquillement, deux passes décisives de Valbuena sur corner, tout va bien, 5-0, tout va bien. Lâche-la. Allez Mathieu. Oh, Mathieu il va se faire bouger là. Oh la vache. Allez hop, un coup de coude et hop, plus de Mathieu. Ah par contre, oui, bah Lucas, voilà, qui en profite, qui arrive derrière en filou. Allez, montre, c'est qui son nom, c'est qui le patron, Lucas, bien joué, qui récupère voilà un ballon. Alors là, mon Valbuena, hop, un coup de coude, on n'en parle plus, puis là derrière, bah, il me redonne le ballon. Merci beaucoup, j'en profite, et ça fait 6-0. Oh là là. Oh, faut les arrêter, j'ai même pas pu commenter cette action là. Allez hop, la truite, ça y est, j'ai trouvé. Oh là là, Lucas, cette précision, cette finition, c'était absolument magnifique. Le gardien qui recule et qui ne peut rien faire. Bah écoutez, 7-0, au moins vous verrez du but dans cet épisode, j'aurai de quoi vous montrer. Allez, 7-0, 63ème. Allez, encore 25 minutes à mon adversaire, il faut les jouer ces 25 minutes. Oh là là, cette passe. Oh là là. Oh, il a fait mal celui-ci. Bien joué, Schürrle. Allez, venez tous participer à la fête. Tout le monde derrière moi. Personne ne me suit. Ah, si, il y a Zlatan qui arrive, mais il est crevé, là, le pauvre Zlatan. Allez, hop. Oula, il a failli tomber. Oula. C'était quoi, Zlatan, qui nous a fait, là? Ah, il était en l'air, tel X-Files. On n'a rien compris.
On a rien compris, mais en tout cas, ce but a fait mal. 7-0. 8-0, pardon. Ah, ce match, il fait mal. Hein. Mon adversaire qui veut pas rage quitte. C'est tout à son honneur. Et voilà, bah écoutez, ce match se termine sur le score de 8-0. Mon adversaire qui frappait, voilà, il frappait de loin. Dès qu'il avait le ballon, il frappait à la fin. Au niveau de ça, tout le monde a participé à un triplé de Lucas, doublé de David Luiz. Tout va bien. 3 passes décisives de Valbuena. Tout va bien aussi. Donc voilà, écoutez, 8-0 pour le moment. On a chopé tous les points qu'on pouvait avoir. On s'est pas pris de but. On en a marqué beaucoup. Tout va bien maintenant. On dit jamais 203. Et donc du coup, on va enchaîner avec le troisième et dernier match de cet épisode, en espérant que ça se passe tout aussi bien. Allez. Bon, et bien voilà, on a trouvé notre adversaire. Alors j'ai coupé un petit peu au début parce que tout simplement mon adversaire qui voulait pas se mettre prêt. Alors voilà, exactement comme maintenant. Donc bah, écoutez, j'espère que ça va pas durer les 30 secondes. Sinon, je vous ferai une coupure. Bon, voilà, je vous aurais fait une mini coupure de 30 secondes. Du coup, il nous propose une équipe, alors 2D1 russe, 2D1 russe avec Hulk sur le côté, du Witzel, du Akinfe, du Krishito, je crois que c'est le défenseur gauche, Archavin, le milieu gauche, le MOC, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas, et le buteur, aucune idée, donc voilà, après le reste, je ne sais pas. Bon, écoutez, une équipe qui reste quand même prenable avec l'équipe qu'on a, attention à ne pas se faire surprendre. Et allons chercher cette troisième victoire dans cet épisode. Encore une fois, le sans faute. Allez. Les joueurs contre Matuidi. Oh là là, la passe Matuidi, c'est magnifique. Oh non, Zlatan, loupe pas ça. C'est un caviar qui te donne Matuidi. Oh, comment tu loupes ça? Ah oui, on en profite. Allez Ramirez, mets-la au fond s'il te plaît. Merci. Et voilà, 1-0. On a eu quelques petites occasions pour commencer ce match. Il nous fallait un but. Il nous fallait un but pour se rassurer. Zlatan qui se prend le coup de la mitraillette et qui rigole par terre comme un gamin. Voilà, comme un gamin, il est content. On a marqué, on fait la célébration de la mitraillette et ça fait 1-0. On est bien parti dans ce match. Allez. Allez, donne-la. Allez, Valbuena, remets-la au-dessus. Zlatan direct. Et voilà, reprise de volée. Zlatan Ibrahimovic, 21ème minute. Prends le ballon, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps à perdre, nous, on n'a pas le temps à perdre. Ah là, il est beau ce petit but. Alors, à coup de L1 triangle, certes, mais il fallait la mettre. Zlatan l'a mis. 2-0, tout ce qu'on veut. Et Zlatan au centre, la tête de Zlatan. C'est trop simple, on va s'excuser pour celui-ci parce que c'est un gros centre-tête. Lucas qui la dépose sur Zlatan. Zlatan, il met un coup de boule. Zlatan, il la met au fond. 3-0, on commence à avoir l'habitude des buts de Zlatan, hein, je parle. Et puis même, à la limite, dans cet épisode, c'est vrai que marquer des buts... Je pense qu'on on a beaucoup marqué de buts, je sais pas combien, mais je crois que c'est un des épisodes où j'aurais marqué le plus de buts. Bon, non. Et Valbuena, pourquoi la frappe de loin? Elle est magnifique. Alors là, par contre, mon adversaire, il va pas supporter. Allez, la foule, là, on veut vous entendre. Même si on est à l'extérieur, on veut entendre la foule pour ce but, il est magnifique. Le but de Zlatan, le deuxième, il est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est du spectacle. La frappe de Valbuena, pleine lucarne. Allez, 4-0, 25ème. Oh, la deuxième frappe de Valbuena, oh là là, elle était magnifique encore celle-ci, son gardien qui vient l'arrêter par contre. Et ben voilà, bon écoutez, mi-temps 4-0, vraiment tout se passe bien. Alors je sais pas, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Alors déjà, habituellement c'est vrai que je m'en sortais plutôt bien, mais alors là, tout va pour le mieux. Franchement, quand on voit les stats, ça me fait plaisir, hein. je vais pas me plaindre, on gagne 4-0. On est en route vers la troisième victoire de cet épisode. C'est bien, allez, deuxième période. Allez Zlatan, tu accélères. Bah oui, t'es plus rapide Zlatan. On l'a vu au deuxième. Bon, bah ok, j'y vais tout seul, dommage, le gardien qui fait la parade. Allez Mathieu, le corner, la tête de Zlatan. Et Zlatan qui la met au fond, 55ème. J'ai marqué tellement de buts que là je sais même plus ce que je veux faire comme célébration, j'ai pas eu le temps. Là c'en était trop pour mon adversaire qui rage quitte. Et bah écoutez, l'épisode parfait. Franchement, l'épisode parfait celui-ci. Deux passes décisives de Mathieu Valbuena, une passe de Matuidi, 3 buts de Zlatan, un but de Mathieu, un but de Ramirez. Tout s'est très très bien passé dans cet épisode. Alors on va voir au niveau des stats que mon adversaire a frappé 3 fois, il n'en a cadré aucune. J'en ai frappé 15, 12 cadrés, 5 buts, 57% de possession. Franchement, cet épisode m'a fait énormément plaisir. Alors, en tout cas, pour le prochain épisode, regardez, il ne nous restera qu'un point à choper pour monter dans la division supérieure.
J'espère qu'on le chopera assez vite, hein, parce qu'il nous reste 4 matchs. Ce serait dommage de choper le dernier point sur les 4 derniers matchs. Ça nous ferait perdre, bah, ça nous ferait déjà 3 défaites, et puis ça nous ferait perdre le chemin vers la division la plus haute possible. Donc voilà, écoutez, ce que je vous propose, hein, là c'est un épisode plus que particulier, voilà, ça s'est vraiment très très bien passé. Donc on va aller ouvrir un petit pack. Bah tiens, il y a des packs à 15 000, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que là, derrière votre écran, vous êtes en train de vous dire « Ouvre le pack à 15 000 ». De toute façon, là, l'équipe, je ne vais pas la changer avant quelques temps. Alors, regardez, moi, les matchs que j'arrive à faire avec cette équipe, pour le moment, on n'y touche pas. Allez, on ouvre le pack à 15 000. C'est toujours la TOTS, Ligue 1, Serie A. Allez, chope-nous le Zlatan TOTS. Et puis là, c'est l'épisode grandiose. Allez. Ah, Sain. Par contre, c'est de la merde. Hein. On a Morel. On a 3 joueurs argent. Je sais pas combien tu vaux, toi. Mais je pense que tu pourrais faire plaisir. Alors, 88 de vitesse, AG. Ouais, ok, tu vaux rien. C'est dommage, parce que c'est vrai qu'il avait les stats pour. Donc voilà, bah écoutez, on ouvre un petit pack. Hein, pour le moment, c'est vrai que on n'a pas besoin de racheter des joueurs. Après, tout se passe bien. Donc voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Maintenant, on va passer au débrief, comme à chaque fois, comme à chaque fin d'épisode de cette série. Le Z a ton beau choix. Donc allez, on passe directement au débrief. A tout de suite. Et bien voilà, on se retrouve pour l'habituel débrief de fin d'épisode. Écoutez, j'ai envie de vous dire un épisode parfait, étant donné que déjà, dans un premier temps, on s'est pas pris de but. En plus de ça, on en a mis 17 en 3 matchs, et en plus de ça, on a chopé les 9 points sur 9 possibles dans cet épisode. Donc écoutez, franchement, que dire de plus? Quand on regarde le bilan, 33 victoires, 1 nul, 2 défaites, on est toujours très très bien, pourvu que ça dure. Et puis voilà, hein, franchement, pour revenir sur l'équipe que j'ai actuellement, ça sert, franchement, quand vous voyez un épisode comme ça, quand je vois les matchs que j'arrive à sortir avec cette équipe, ça donne mais absolument pas envie de changer l'équipe pour le moment, mais continuez à me proposer, voilà, dans les commentaires, allez sur FUTHEAD, vous me proposez des équipes avec Zlatan Tiff et Gignac Tots. Comme ça, je regarderai les meilleurs et puis je vous les proposerai dans un sondage quand il sera venu le temps de changer d'équipe. En tout cas, c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je pense qu'il mérite un petit like de votre part. Après, je ne vous oblige pas. Donc voilà, j'espère encore que cet épisode vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.